Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Saint-Onge, je suis orthothérapeute depuis et j'exerce le métier depuis au-delà de 38 ans. Je vais vous parler aujourd'hui d'un ingrédient assez unique sur lequel je travaille depuis déjà 38 ans et il se nomme l'acide humique ou l'acide humique, l'acide fulvique. Donc, je vais essayer ou tenter aujourd'hui de vous expliquer un peu mon cheminement. Tout d'abord, pour savoir pourquoi on vous parle aujourd'hui de ce fameux produit. Et ensuite, je vais vous parler des cinq bénéfices de l'élite, du produit élite Lovaré que j'ai créé pour la consommation humaine, même pour les animaux et même pour les plantes. Donc, quand j'ai commencé comme orthothérapeute, je me spécialisais dans l'inflammation, dans les douleurs inflammatoires qui sont causées par de l'arthrite et le rhumatisme, par exemple. Et je m'intéressais toujours sur des éléments ou des produits ou un principe naturel pour essayer de diminuer cette inflammation-là et même les douleurs. Dieu sait que je n'ai pas connu encore un être humain qui a jamais souffert de douleurs. À l'intérieur de leur vie. Donc, le principe d'éliminer la douleur est un principe important pour le mieux-être. Donc, ça m'intéressait. Alors, j'ai été introduit par de cette boue par un médecin qui s'appelait le docteur Ehrlich, qui était un médecin allemand qui avait là-bas un spa ou un sanatorium ou un centre de traitement dans lequel ils utilisaient cette boue noire. Il enveloppait les gens, il les faisait manger, il l'appliquait sur la peau, il faisait prendre des bains à submersion totale. Et j'ai vu des patients en pleine douleur après 2, 3 jours sortir en marchant sans douleur. Donc, ça m'a impressionné et j'ai commencé à utiliser ce principe-là dans ma clinique. Et ici au Canada, on a énormément de tourbières. Parce que ce produit vient d'une tourbe, vient d'un marécage de tourbière. C'était un élément qui m'intéressait énormément. Je me suis mis à faire des recherches sur des tourbières canadiennes pour voir si on avait les mêmes principes actifs que les Allemands avaient dans la forêt noire. Et puis, à ma grande surprise, nous avons trouvé que la contenance d'acide humique et d'acide fulvique dans nos tourbières était plus élevée que celle de la forêt noire ou celle même de Nidharting en Autriche. Donc, j'ai commencé à vendre cette extraction-là, cette matière première-là aux Allemands, et ça m'a permis de fonder une entreprise qui s'appelait Golden Moor. Et à partir de ce moment-là, en 1994, j'ai commencé à produire et à utiliser notre propre boue. Nous avions des petits bains dans des bouteilles et une chaudière de boue pour des enveloppements et des traitements cliniques. Donc, dans ces petits débuts modestes, nous avons bâti une grosse entreprise avec 89 formules pour des masques, des bains, des enveloppements, des exfoliants, des crèmes. Et nous avons développé le marché spa pendant 25 ans. Nous avons exporté dans 17 pays et nous avions une belle gamme. Vers les années 2000, nous avons développé avec les expériences des nouvelles méthodes d'extraction, des nouvelles méthodes de production pour voir aujourd'hui que maintenant nous avons ce produit actif-là en poudre. Donc, la méthode d'extraction maintenant, elle est faite en poudre. C'est plus efficace, c'est plus pur, c'est plus facile à envoyer, c'est plus facile à manipuler. Donc, pour vous expliquer un peu d'où vient l'acide humique et l'acide fulvique d'une tourbière, bien évident, ça vient de floraison, ça vient de fleurs, ça vient de plantes. Les tourbières ici contiennent environ 1 500 plantes qui ont vécu. Qui ont pris l'énergie du soleil, qui ont transformé ça en enzymes, qui ont été capables d'absorber les matières inorganiques du sol, qui sont les minéraux que nous avons besoin pour les fonctions systémiques et même garder notre santé supérieure pour éloigner les maladies chroniques et tout ce qui peut nous faire vieillir. Donc, ces plantes-là, les 1 500 plantes, ont décomposé pendant des mille et mille années.
On connaît que certaines tourbières ici dans la région ont 60 à 100 000 ans d'existence. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Google ou des recherches sur le bouclier canadien, la forêt boréale canadienne. C'est une des plus gros endroits sur lequel contient des tourbières où nous extractons cette fameuse boue pour la consommation des produits Lovare. Donc maintenant, nous allons chercher l'extraction dans la forêt boréale. Nous avons des procédés très naturels de déshydratation, de lyophilisation et d'extraction d'acide humique sous pression vide, ce qui nous permet d'avoir une poudre très fine avec une contenance d'acide humique à 80 à 95 % de pureté avec un 3 à 4 % d'acide fulvique. L'acide fulvique, elle est importante parce qu'elle fait partie de la molécule d'acide humique. En étant plus petite, elle permet un des bénéfices que nous allons parler aujourd'hui, d'apporter les minéraux qui sont composantes de l'acide humique, qui est le carbone que nous retrouvons dans cette poudre noire-là. D'ailleurs, c'est les 70 minéraux que nous retrouvons dans le fichier périodique que vous avez probablement appris dans vos cours de sciences ou de chimie lors de votre école secondaire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que, premièrement, les 70 minéraux sont essentiels pour nous garder en santé. On connaît déjà que la déficience des minéraux dans notre corps va créer des maladies chroniques, va premièrement créer des symptômes. Ces symptômes-là, c'est des signes qu'il y a un débalancement. Et en prenant de l'acide humique sur une base régulière, on va aller chercher ces minéraux qui sont en carence et on va créer une systémique. Essentiel ou la fonction systémique d'absorber les nutriments et d'éliminer les déchets pour garder un corps en santé. Donc, les 1500 plantes, ils sont essentiels, sont dans cette tourbière-là, ils ont décomposé et ils ont créé cet élément acide humique et acide fulvique. Alors, les cinq bénéfices, ils n'ont jamais changé, ça fait 40 ans que je mentionne les cinq bénéfices, et le premier, c'est anti-inflammatoire. Moi, c'était ce que je recherchais pour diminuer l'inflammation et les douleurs, surtout pour les gens qui ont de l'arthrite, de l'arthrose, des lombalgies, des sciatalgies, tout ce qui est musculo-squelettique. C'était mon métier. Donc, j'ai commencé à embouteiller une boue et je recommandais cette boue sous forme de balnéothérapie, sous forme de bain. Alors, les gens mettaient 100 grammes de boue dans leur bain ou on mettait 100 grammes de boue dans un bain en clinique et on submergeait le patient ou le corps dans cette eau. On élevait la température plus haute que le corps pour qu'on ait l'effet d'osmose, qui est l'absorption d'acide humique à l'intérieur de la circulation sanguine pour aller stimuler après. La mitochondrie, qui est la fournaise de notre cellule, qui nous donne de l'énergie et qui aide à créer les endorphines naturelles qui diminuent la douleur et qui fait circuler le sang, éliminer les déchets, qui fait diminuer l'inflammation. Donc, ce bénéfice-là, il est très puissant. Il est utilisé sous forme de bain, bien évidemment. Vous avez accès à des produits Lovare qui vous pouvez utiliser sous forme de balnéothérapie. On peut le faire sous enveloppement et on recommande la pochette d'acide humique pur à 250 mg par jour pour aller chercher les minéraux, les 70 minéraux en carence, mais également aider à la gestion d'inflammation et de douleur dans le corps. Le deuxième bénéfice, c'est la régénération cellulaire. Ce qui veut dire que si on applique cette pâte de boue sur notre peau, on est capable de régénérer le tissu cellulaire. On est capable de stimuler la production de collagène et on peut cicatriser les peaux plus rapidement sur une coupure, une brûlure, une piqûre, sur des problèmes de peau comme la mycose, le psoriasis, l'eczéma, la rosacée et la couperose. Donc, c'est un produit qui aide à régénérer le tissu cellulaire. J'ai eu des patients, moi, qui se sont coupés. On l'a enveloppé dans cette pâte de boue et 24 heures, 48 heures plus tard, c'était cicatrisé. Donc, c'est merveilleux. C'est essentiel sur une base régulière. Je recommande un masque ou deux par semaine simplement pour réduire les effets de vieillissement, pour activer notre propre collagène, de donner cette hydratation à la peau.
Et même sur des applications en compresse, sur des psoriasis, de l'eczéma, des dermatites, des piqûres, ça aide à réduire l'inflammation, la douleur et régénérer le tissu cellulaire. Le troisième bénéfice, on l'appelle antioxydant. Nous avons des recherches scientifiques sur notre produit qui démontrent que l'absorption ou à la prise d'acide humique sur une base régulière aide à augmenter le niveau d'oxygène au niveau cellulaire. Parce que le produit vient d'une source de carbone, qui est une composante d'oxygène et d'hydrogène, vous savez bien que quand on absorbe plus d'oxygène, on augmente l'énergie corporelle. Donc, si vous avez une baisse d'énergie, si vous voulez avoir une performance athlétique plus élevée, si vous êtes stressé, si il y a une stagnation de déchets dans les cellules, il est important d'augmenter le niveau d'oxygène dans la fournaise de notre cellule pour contrer ces effets. Alors, avec l'acide humique et l'acide fulvique, qui est l'adaptogène, qui est le catalyseur, parce qu'il a une petite molécule et il permet à ces ingrédients actifs-là de pénétrer dans la cellule et de stimuler et de donner l'essence, le gaz, si vous voulez, à notre fournaise pour augmenter l'énergie. Donc, on le fait d'une façon naturelle sans être obligé de prendre du sucre, de la caféine, de la taurine, tous ces ingrédients chimiques-là qui sont sur le marché pour vous donner un gain d'énergie. Donc, le principe d'antioxydant, il est organique. Il est excellent pour les performances athlétiques. Donc, vous pouvez solliciter des athlètes professionnels, des sportifs et leur donner ce principe d'absorption. C'est extraordinaire. Et pour la gestion de la douleur, la gestion d'accumulation d'acide lactique sur une performance athlétique, on va recommander des bains de boue pour éliminer cela. Et j'ai traité des athlètes olympiques. J'en ai eu trois dans ma carrière. Et je les gérais et ils ont eu énormément de succès. J'ai même eu Yannick Lupien, qui était le nageur olympique ici au Canada, qui a battu le record 49,9 secondes dans le 100 mètres. Et c'est un peu à cause du traitement qu'on lui prodiguait et la prise d'acide humique qu'il consommait. Alors, le quatrième bénéfice, si je peux continuer, c'est la balance hormonale. Vous savez, dans les 1500 plantes qui existaient, ils ont produit leur phytohormones durant leur vie. Donc, ces phytohormones-là, ils sont quand même présents dans cette poudre-là. Donc, quand on la remet en vie en le buvant, on va aller rechercher cette homéostase. On va aller chercher l'absorption de ces phytohormones-là qui va nous aider à régulariser nos cycles hormonaux. Donc, que ce soit de l'estrogène, progestérone, testostérone, que ce soit de l'insuline ou de la bile ou au niveau organes vitaux. On va aller chercher cette balance-là. Donc, les électrolytes qui sont dans l'oxydant et les minéraux qui sont dans les hormones vous aident à créer cette homéostase qui est la balance entre prendre les nutriments et éliminer les déchets. Alors, le cinquième, quatrième, je pense qu'on est. Cinquième, c'est la partie chélateur adaptogène. Ce produit est un excellent chélateur parce que, à cause de l'acide fulvique qui est compris, elle aide à amener les nutriments dans la cellule, mais parce que c'est un ion négatif, elle aime capter les ions négatifs, les ions positifs qui sont créés par des antiradicaux libres et des déchets qui se logent dans notre cellule qui causent la stagnation. La cellulite, par exemple, est causée par une accumulation de déchets dans la cellule et qui empêche l'oxygène et la fonction mitochondriale de la cellule. Donc, au niveau chélateur, si vous voulez faire des désintoxications, on le fait au printemps, automne, prendre la prise de bain 21 jours, la prise d'acide humique sur une base régulière aide à éliminer ces déchets-là. Dans le corps. Donc, pour reviser, on a parlé d'anti-inflammatoire, de régénération cellulaire, on a parlé de régulateur hormonal, on a parlé de chélateur et on peut parler aussi d'adaptogène. Et l'adaptogène, c'est un peu comme la pharmacie phytothérapeutique. Donc, ce qui veut dire que dans toutes
ces 1500 plantes-là, on a une pharmaceutique naturelle qui aide à créer une adaptogène, qui aide à repousser les signes de stress, les fonctions agressives qui aident à diminuer les adrénalines quand on est stressé et contrer contre le stress. Et tout ce qui est dans qui affecte notre monde moderne de l'extérieur. Donc, ça aide à l'absorption des minéraux, ça aide à l'absorption de la nourriture, ça aide à la dégradation et l'assimilation des éléments nutritifs qui sont dans la digestion et dans notre nourriture. Donc, quand vous voyez l'enveloppe des bénéfices de l'acide humique, l'acide fulvique, je suis certaine que vous pouvez penser à plusieurs personnes qui peuvent bénéficier de cette poudre ici. C'est très facile dans le dosage. On met 250 mg dans 16 onces d'eau. Comme vous voyez ici, moi, je le bois régulièrement. L'eau vient noire, c'est normal. C'est du carbone, c'est de la dégradation de plantes. Donc, l'eau vient noire, il y a aucun danger. Vous le mettez dans 16 onces ou 500 ml d'eau. Et vous prenez votre acide fulvique une fois par jour. Vous pouvez le mettre dans votre café si vous voulez, vous le mettre dans votre smoothie ou dans votre breuvage préféré. Il n'y a aucun problème. En autant que vous prenez 250 mg de poudre par jour, vous commencez déjà une bonne voie sur la santé naturelle et augmenter votre santé. Dans l'histoire d'extraction et dans l'histoire de ma vie, au niveau de l'acide humique et fulvique, on a toujours, toujours parlé de ces cinq bénéfices-là. Ils sont toujours les mêmes et on continue sur cette route-là. Il y a énormément d'informations sur l'acide humique, l'acide fulvique. Vous pouvez toujours aller sur mon site à moi qui est mudman1.com ou mudmanmentor.com. Il y a énormément d'informations là-dessus. J'ai également écrit un livre qui est disponible sur Amazon qui s'appelle The Mudman. Je vous invite peut-être à l'acheter et le lire. C'est un livre qui est très, très éducationnel sur la philosophie holistique sur laquelle j'ai pratiqué pendant au-delà de 30 ans. Et je parle un peu aussi d'acide humique et d'acide fulvique. Donc, la méthode holistique, c'est la méthode Lovare. Soyez certaine que dans les produits Lovare, je vais expliquer certains autres produits. On va faire des vidéos de formation, mais pour cette série-ci, on va concentrer sur le produit Elite. C'est le premier produit que tout le monde devrait consommer, tout le monde devrait avoir dans sa pharmacie et recommander à toute leur famille. Et même que vous pouvez le donner à vos amis compagnons de la maison, que ce soit un chat, un chien ou un oiseau, ils ont besoin de suppléments alimentaires également parce qu'ils vivent avec des humains. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça a été informatif et j'espère vous revoir chez Lovare très bientôt. Au revoir.